Dans le cercle encore confidentiel du billard 974, les pratiquants les plus assidus ou simples passionnés ont depuis hier l'occasion de se confronter dans une vraie salle de compétition, à vraiment se challenger dans les règles du billard Black Ball. Ethan, 10 ans, s'y plaît, tout comme Maurice, Andy, billardiste, pour qui le billard est un vrai sport avec tout ce que cela nécessite pour être performant. Que ça demande autant de présence intellectuelle que de maintien physique pour tenir sur les différentes parties, que d'entraînement. Donc le tout réuni, pour moi, c'est un sport à part entière, quoi. Le billard, pour moi, c'est prendre son plaisir et c'est de s'amuser. Et ça m'aide à réfléchir, de me calmer. Et quand je suis à l'école, je repense ce que j'ai fait au billard, quand j'ai voyagé, et on m'a expliqué les règles. Et tout de suite, j'ai compris. Des règles précises à respecter comme dans les autres sports, reste cette image assez contrariante du billard, jeu de bar, a changé profondément. Le fait d'organiser ces championnats en gymnase, ça va nous permettre, on espère, d'avoir plus de licenciés, notamment que ce soit des jeunes, peut-être les parents pourraient être moins aptes à laisser venir jouer dans des bars. Là, en gymnase, on voit que c'est encadré. Il y a tout un code sportif à respecter. Aujourd'hui, nous pouvons enfin jouer dans des lieux où nous pouvons aller chercher plus d'adhérents, la jeunesse, les féminines, nous développer plus sereinement et arriver à faire en sorte que toutes les personnes se retrouvent dans notre beau sport qu'est le billard. Ce premier Open a fait salle pleine avec près de 150 participants qui se sont d'ores et déjà donné rendez-vous le 1er octobre pour la deuxième manche du championnat.